l'hôtel Napoléon, être concierge n'est pas un travail, mais un métier. Le métier est fait d'une multitude de petites choses que l'on apprend avec l'expérience. C'est accueillir le client, s'occuper de lui pendant son séjour, l'aider dans tous les domaines, et puis gérer une équipe qui doit être autour de lui, présente tout le long de son séjour. À l'hôtel Napoléon, ce qui est important, c'est d'être proche des clients tout en étant respectueux. Cela apporte une complicité, un rapport très particulier, presque familial, sans être familier. Le fait de connaître notre clientèle permet d'anticiper leurs besoins et leurs désirs. Si on devait résumer les qualités nécessaires d'un bon chef concierge, particulièrement au Napoléon, ce serait certainement l'efficacité, l'élégance, la réactivité, le savoir-faire. Je vois mon métier comme un challenge permanent. Je dois être capable d'obtenir des mariachis à 20h dans une chambre si le client le demande, un avion le lendemain matin, un avion privé pour aller au bout du monde s'il en a besoin, et d'obtenir la bonne table au bon endroit si le client le désire. Le quartier de l'hôtel Napoléon, c'est le quartier du luxe. Donc l'hôtel Napoléon est idéalement situé près des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe. Beaucoup d'histoires autour de cet hôtel, beaucoup d'histoires autour de ce quartier. Personnellement, j'aime bien recommander les passages couverts, le marché aux fleurs et aux oiseaux, un petit bistrot, la chope des puces au marché aux puces, quelques endroits, des clubs de jazz, où le client se sentira bien et où il aura passé une bonne soirée. Ma satisfaction et mon but, c'est de donner les bonnes informations, les bons renseignements pour que le client ne se trompe pas.